Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur ma tablette. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer comment avoir des gemmes gratuitement sur Clash of Clans et assez facilement. Alors tout d'abord, il faut télécharger l'application qui s'appelle Cash Pirate, qui est celle-ci. Donc je vous la montre un petit peu. Voilà, Cash Pirate. Elle est disponible pour le moment que sur Android, donc désolé pour ceux qui sont sous iOS. Alors, dès que vous arrivez sur cette application, vous arrivez ici. Donc l'overview. Donc d'abord il faut se connecter d'abord. Attendez, je remets comme ça. Voilà. Il faut se connecter. Ensuite, vous avez un petit peu tout ce qu'il y a. Attendez, je vais voir un truc. Ok. Mais en plus, ça tombe bien, il y a une application. Donc en fait. Voilà, c'est une application en fait. Vous allez télécharger des applications. Enfin, c'est une application. Vous allez télécharger des applications et vous allez gagner des points. Alors, pour télécharger des applications, il faut aller dans Earn Coin, donc gagner des coins. Alors, il y a tout ça. Enfin, il y a tout ça. Il y a ça. Ce que je vous conseille, c'est le premier, c'est le mieux, je trouve. C'est Pirate Pix, c'est ça? C'est Pirate Pix. Ouais, Pirate. Pix, Pirate, Pix, bref. Et là, vous téléchargez les applications. Donc, comme vous allez commencer au début, ben, vous aurez vraiment beaucoup d'applications. Oh, revenez ici. Alors, aussi, pour avoir. Donc, au bout de 2500, au bout de 2500 points, vous avez 2,50€ PayPal. 2,50$. Et si vous voulez avoir plus rapidement 2,50$, vous pouvez avoir, grâce à mon code, 500 points. Et donc en gros c'est égal à 50 centimes en gros à 0,50 dollars. Donc voici mon code YLFW XV. Donc tout en majuscule. Vous l'ajoutez dès que vous vous connectez. Et hop là, vous allez gagner 500 gold dès que vous allez arriver à 5000 coins. Vous allez voir 5000 coins, c'est vraiment très très rapide. C'est vraiment très très rapide. Moi je suis déjà à 2000. Alors j'ai 64 personnes qui m'ont ajouté. Et sur ces 64 personnes qui ont partagé l'application, il y en a 5 qui ont ajouté leur code. Donc après vous pouvez changer le but, donc changer le goal. Donc vous avez 2,50€ PayPal, 5 euros, enfin dollars, 5 dollars Facebook, 10 dollars, 25 dollars. Bon, moi pour l'instant je mets tout le temps 2 dollars, 50. Alors pour vous prouver que ça marche bien, je vous montre un petit peu combien j'ai gagné. Donc il y a My Account aussi, c'est mon compte, voilà. Alors vous allez dans Payout History, pour ceux si vous avez déjà reçu des paiements, et vous pouvez voir que j'ai reçu tous ces paiements là depuis que j'ai l'application. Et donc si on calcule à peu près, ça fait alors ça fait 5 10 15 15 20 25. Attendez, non, moi je crois que ça fait 20, ça fait 20. J'ai eu 20 euros pile, 20 euros pile. Donc c'est vraiment très bien et c'est vraiment très très rapide, vraiment très très rapide. Donc c'est vraiment super bien. Donc après vous avez Redeem Coins, c'est ça c'est alors c'est quoi ça déjà? Et donc là c'est pour choisir les goals, le nombre de le nombre de dollars PayPal que vous voulez. Après vous avez Redeem, non attendez, attendez. Donc voilà, Referral, c'est ce que vous avez ajouté. Mais ça marche pas je crois là. Ouais, ça marche pas. Mais en tout cas voilà, pour savoir si enfin les gens qui vous ont ajouté, s'ils ont téléchargé des applications, etc., vous allez dans My Account, voilà, j'y suis. Et vous allez ensuite dans History, des Earning History. Voilà, vous allez dans Earning History. Et là, vous pouvez voir que bah, y a tout ça qui ont ajouté, enfin, qui ont téléchargé des applications. Et donc, du coup, voilà. Alors, vous pouvez, donc, l'overview, là, c'est l'overview. Vous avez l'application que vous pouvez télécharger. Moi, je peux pas la télécharger celle-là parce que elle n'est pas disponible sur ma tablette. Mais en tout cas, voilà tout ce que vous avez. Et quand vous allez commencer, vous allez voir que les points vont vraiment venir très rapidement. Donc vous pouvez vraiment avoir 2,50$ vraiment très très rapidement. Donc je vous conseille fortement cette application. Donc n'hésitez pas à ajouter mon code. Le voici encore une fois, en majuscule. YLFWXV. Donc voilà. Donc là par exemple, je vais arriver à 2300 points dans 3 jours. Parce qu'il y a des applications qu'il faut télécharger et ça dure 3 jours. Et donc là par exemple, je vais arriver à 2300 points. Et ben, je serai proche, enfin non, 2394. Donc il me restera 106 points et je pourrais avoir 2,50€, non, 2,50$ plutôt. Donc ça va vraiment très très rapidement. Et donc là par exemple je fais Earn Coin, donc gagner des coins. Je fais Pirate Pix. Et là vous voyez qu'il y a une application que je peux télécharger. Ah non, celle-là je crois que je peux la télécharger.
Voilà, on va essayer tout de suite. C'est celle qui s'appelle 500 menus que je peux pas télécharger, celle en dessous. J'ai essayé tout à l'heure, ça marchait pas. Ah là, ça marche. Et donc vous allez par cause là. Vous l'installez. Vous avez juste à l'installer. Attendez. Je vais mettre comme ça. Reviens, reviens. Voilà, installé. Voilà, ça s'installe. Accepter, mince. Voilà, ça s'installe. On va aller sur l'application. Juste 2 secondes. Hein, juste histoire de l'ouvrir. Voilà, bon, ça se télécharge. Quelques secondes. pour 69%, 77, allez, on y est presque. Quelques secondes encore, et puis je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir que c'est vraiment très très rapide. Alors, soit vous avez des applications que vous installez comme ça, soit vous avez des applications qu'il faut télécharger et qu'il faut garder 3 jours, et qu'il faut lancer, comme je vais le faire là, et qu'il faut garder 3 jours sur son smartphone. Et là, par contre, vous allez gagner 100 points au lieu de 60 points, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai téléchargé 3 applications comme ça. Donc, du coup, je dois garder sur ma tablette 3 applications pendant 3 jours. Et je vais gagner 300 points. Donc là, c'est bon, je l'ouvre. Ça charge. Donc, attendez que l'application. Enfin, attendez que vous. Attendez d'être sur le jeu. Hein, ou sur l'application en question plutôt. Parce que c'est pas forcément tout le temps des jeux. Allez, allez. Ah voilà. Donc là, si ça est lancé, vous quittez. Vous quittez. Ça charge. Allez, allez. Voilà, vous quittez. Voilà, ça me dit que je l'ai installé, c'est bon. Et voilà, c'est bon. Donc je vais là, je retourne dessus. Sur le Play Store. Je la désinstalle. Hop là. Voilà. Et là, vous allez voir que j'ai eu les points. Alors attendez, ça charge. Voilà. Allez, j'enlève le Play Store. Voilà. Et là, je vais sur Cache Pirate, donc l'application. On va aller dans Overview. Et là, vous pouvez voir que. Ah non, ça s'est pas ajouté. What? En vidéo, ça marche pas. Attendez, attendez, il y a un problème, je pense. Attendez, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, par exemple, vous avez ces applications-là que j'ai faites. Cette application que j'ai faite là. Sinon, vous avez d'autres applications, comme je vous ai dit. Par exemple, la première là. Où vous téléchargez l'application, vous la lancez. Et vous devez la garder pendant 3 jours. Et vous allez gagner 100 points. Donc, par contre, pour l'autre application, ça n'a pas marché. Donc, attendez, je vais relancer Cache Pirate. Ça se trouve, j'ai pas ouvert l'application assez longtemps. C'est pour ça, peut-être. On va la rouvrir, je pense que c'est peut-être un petit temps de, peut-être il faut un petit temps de chargement. Alors voilà, je me connecte. 2094 toujours. Non, ouais, j'ai fait trop vite. Ouais, faites pas aussi vite que moi, faites pas aussi vite que moi. Attendez un petit peu dès que vous êtes sur l'application. Ouais, je suis allé trop vite. Mince. En fait, il faut l'installer et dès que vous avez le message, ouais, j'ai désinstallé trop rapidement là. Dès que vous avez le message, en fait, il faut aller dessus et puis après c'est bon. Mais là, je l'ai installé trop rapidement. C'est dommage. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se trouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Je pense pour notre application pour savoir comment avoir des jams gratuitement grâce à des applications comme ça, comme Cache Pirate. D'autres applications que je vous montrerai très bientôt. Donc voilà. Allez, à plus.